Docteur Clémence Essé et son collègue Kwame Atta sont admis à dispenser des cours aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils font partie des 150 enseignants nouvellement recrutés par cette institution. Ils vont donc améliorer leurs pratiques pédagogiques, une formation initiée par l'institution de recherche d'expérimentation et d'enseignement pédagogique, IREP. C'est une formation obligatoire pour tous les enseignants-chercheurs. Donc tout enseignant se doit de suivre cette formation pour mieux dispenser ses cours. Je pense que ça va m'apporter beaucoup de choses parce que nous avons affaire à de nouvelles générations d'étudiants et il faut savoir comment s'y prendre avec eux. Avec le système LMD, il y a une nouvelle manière d'enseigner. Donc c'est tout ça que nous sommes venus apprendre. Il n'y a pas de formation de trop. Pour le directeur de l'IREP, ce renforcement de capacités vise à promouvoir la pédagogie et l'excellence au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Faire en sorte que le docteur qui est recruté sur un poste d'enseignant, chercheur, sache qu'il a parmi ses missions l'enseignement et que quand on enseigne, il faut de la méthode. 6 groupes de 25 enseignants sont programmés pour la formation. Ils devront être instruits sur les méthodes pratiques d'enseignement, telles que la planification et l'animation d'une séquence de pédagogie, ainsi que l'évaluation du niveau des étudiants en fin d'apprentissage.